Bonjour, c'est Drawer. Aujourd'hui, je vais vous parler du film de Justine Triet qui a gagné la Palme d'Or à Cannes en 2023, cette année. Donc, il s'agit de Anatomie d'une chute qui est actuellement en salle. Ce film est un film de procès qui parle en fait d'un gars qui chute du troisième étage de son chalet dans les Vosges. Je crois que c'est dans les Vosges, c'est fou. Et il décède. C'est une mort tout à fait banale finalement de décéder du haut d'un chalet. Excepté une fois au chalet. Son fils aveugle qui arrive et qui voit qu'il est mort. Enfin, il ne le voit pas parce que... Bon, il lit en braille que son père est mort. Il appelle sa mère arrive et tout, puis elle fait « Ah, mon Dieu, mon vélo, mon mari est mort ». S'ensuit une enquête, c'est un film de procès. La mère va être mise à rude épreuve parce que ben, elle va être suspecte. Et donc, on va suivre tout ça pendant 2h40, c'est un peu long, mais on s'ennuie jamais. Le film est vraiment excellentissime. D'ailleurs, c'était marrant parce que dans la salle, il y avait deux petites vieilles qui étaient là qui parlaient, qui faisaient « Oh, bah, bah, moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est ça, ferme ta gueule ». En fait, pendant le cinéma, tu fermes ta gueule. J'ai pas dit ça parce que j'ai peur des vieilles. Je vous le recommande donc chaleureusement. Abonne-toi. Bisous.